Maintenant que nous savons ce qu'est une politique publique, nous allons voir qui fait ces politiques publiques. Toutes les décisions des politiques publiques partent du constat d'un problème. Reprenons notre exemple de cette route. Cette voiture est sur une route où il n'y a aucun panneau. Comme vous voyez sur cette image, une autre voiture arrive. Comme personne ne sait quoi faire, chaque voiture avance et c'est l'accident. Là, nous venons de constater un problème. C'est ce qu'on appelle l'identification du problème. Les autorités vont constater qu'il y a un problème à ce niveau. Cela peut même être vous, la population, qui signalez le problème aux autorités. Maintenant que les autorités ont identifié le problème, ils vont faire un programme. C'est-à-dire qu'ils vont réfléchir pour bien déterminer le problème et commencer à penser aux solutions possibles. Est-ce qu'on supprime cette route? Est-ce qu'on interdit aux gens qui viennent de gauche de ne plus passer sur cette route? Est-ce qu'on signale aux gens que ce carrefour est dangereux? Plusieurs solutions sont possibles. Le mieux, à ce moment-là, c'est que les autorités invitent des membres de la population, associations, syndicats, pour réfléchir avec eux. Après toutes ces réflexions, les autorités vont décider de mettre un panneau stop. Le panneau stop permettra aux voitures qui arrivent de s'arrêter pour regarder avant de passer. Une fois la solution trouvée, les autorités vont aussi décider combien ils vont consacrer à mettre en place cette décision. Cette phase est le développement du programme. Récapitulons avant de continuer. 1. Les politiques publiques, c'est toutes les décisions que les autorités prennent pour organiser notre vie. 2. Il y a plusieurs types de politiques publiques, dont les politiques réglementaires ou de redistribution. 3. Ce sont les autorités qui font les politiques publiques à partir de l'identification d'un problème. 4. Après avoir identifié le problème, les autorités développent un programme. Maintenant que nous avons bien révisé, continuons. Les autorités vont mettre en place les panneaux. C'est la phase de mise en œuvre du programme. Les autorités vont regarder ce qui se passe maintenant qu'ils ont mis en place les panneaux. Est-ce que cela a vraiment réduit le nombre d'accidents? Pendant cette phase qu'on appelle évaluation du programme, les autorités, mais aussi vous, population, allez voir s'il faut changer quelque chose ou faire des améliorations. Si tout va bien et qu'il y a moins d'accidents, les autorités peuvent alors terminer le programme. Le problème a été résolu pour nous permettre de mieux vivre ensemble. Voilà, nous venons de voir comment est mise en place une politique publique. Alors, vous vous demandez ce que vous pouvez faire, puisque ce sont les autorités qui la mettent en place.